pas d'eau dans une journée. Je crois qu'on a une autre côte. Allez, rentrons. Alors là, c'est pas cool, c'est quoi ce délire? Plus on rame et plus on s'éloigne. D'attendre. Oh, peut-être que c'est un casting pour recruter de jeunes talents pour une nouvelle émission. Je sens qu'aujourd'hui, c'est mon jour de chance. Hé, hey, moi, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai comme l'impression... Suivante. Que c'est encore un coup de clover. Que je me fasse bien comprendre. Je cherche quelqu'un qui comprenne mes attentes sans pour autant chercher à les comprendre. C'est compris? Oui, enfin, un peu pas. Comment ça, tu penses? Désolée, mais moi, j'ai besoin d'une fonceuse, pas d'une philosophe. Suivante. Si vous voulez vous inscrire pour devenir mon assistante, faites la queue. Alors là, c'est la meilleure. Depuis quand t'as besoin d'une assistante? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer les cours, le shopping et mes centaines de rendez-vous. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore toute cette file de première année à voir, alors. Suivante. Je suis celle qu'il vous faut avec moi. Beaucoup trop entreprenante. Suivante. Ton prénom, c'est Tara, c'est ça? Alors écoute-moi bien, le poste n'est pas rémunéré, évidemment. Mais à mon contact, tu vas découvrir la grande vie, apprendre plein de secrets sur la mode. Ça a l'air génial, mais je suis plutôt timide, ça m'étonnerait que je vous convienne. C'est vrai, vous êtes de loin la fille la plus mignonne et la plus populaire du lycée. Oh, engagée. Dans la Grèce antique, la loi voulait que les esclaves servent leur maître, non seulement en tant que domestiques, mais également comme travailleurs agricoles, mineurs, charpentiers, etc., etc. Ou scribes encore aussi. Non, ouais, c'est pas mal, mais si tu pouvais mettre un petit cœur à la place du point sur le i. Oh. J'adore ce sweat à quatre touches et ces cols roulés en cachemire, dis-moi que je rêve. Oh, j'ai jamais vu des corsaires aussi ravissants. Allez, on passe à l'essayage. L'esclave des temps modernes est parti plus vite que prévu? Non, je lisais ce que Tara écrit dans mon journal intime. Elle rédige ton journal intime? Plus feignante que toi, ça n'existe pas. Je peux pas tout faire. Juste un mot, Tara. Si vraiment tu veux te montrer à la hauteur de mes espérances, va falloir te bouger davantage. Merci, chérie. Tes désirs sont des ordres, Clover. T'as pas l'impression de total profiter de cette malheureuse? Tara prend son rôle très à cœur. Une employée idéale pour un employeur modèle. Tu parles d'un employeur? Je dirais plutôt un exploiteur. Tu vois pas le canapé? On risque d'atterrir sur moi. Un coussin? Un atterrissage en douceur? Musique relaxante, lumière tamisée, en sang. Bon, Jerry, ça rime à quoi tout ça? À quoi cela rime? Je me recharge intérieurement en canalisant mes feux énergétiques. Tout ça grâce au karma zen. C'est qui ce monsieur? Le karma zen est un art qui permet de vivre en harmonie avec les énergies qui nous entourent. Ouh, on se réveille, Jerry. Le New Age, c'était à la mode l'an dernier. Vous êtes loin du compte. En réalité, le karma zen est un art qui se pratique depuis 3200 ans. Mademoiselle, je vous présente mon maître, karma zen Yuang. Je comprends parfaitement votre méfiance. Jerry lui-même a eu beaucoup de mal à y croire au début. Et puis j'ai fini par le convaincre en lui montrant comment harmoniser ses forces intérieures avec son environnement extérieur. D'accord, génial, kimono en soie et queue de cheval, c'est tout un programme. Selon les préceptes du karma zen, la vie est partout présente. Dans les gens, les bâtiments, ce bureau et même dans vos vêtements. Alors ma jupe est vivante? Yuang veut dire que chaque chose qui nous entoure est chargée d'énergie. J'ai donc décidé de radicalement changer mon espace de travail pour m'imprégner de ses forces vitales. Bien sûr, ces modifications sont infimes quand on sait qu'il faudrait entièrement changer le monde. Jerry, avant de changer le monde, vous n'auriez pas une mission à nous confier histoire de le sauver? Pour l'instant, votre mission consiste à vous détendre. Prenez exemple sur Gladys.
Ours en peluche gonflable pour l'enfant qui sommeille en nous, magnéto collier et un bracelet amulette au pouvoir cicatrisant. À utiliser avec amour. Vous appelez ça des gadgets, Jerry? Non, j'appelle ça des instruments de survie, tout simplement. Justement, en parlant de survie, j'ai comme l'impression qu'il se prépare un tremblement de terre quelque part. D'après le sismographe, c'est imminent. Ni plus ni moins le battement de cœur d'une chaîne montagneuse, n'est-ce pas, Jerry? Absolument. À présent, je vous invite à partir à la recherche de votre harmonie intérieure. Ce nouveau Jerry avec son sourire niais me donne la chair de poule. Tout pareil, et quant à ces secousses sismiques, ça mérite une enquête. Allez, en route. Alex, arrête de me regarder de travers, ça me déconcentre. Non mais oh, je suis en train de piloter là. Excuse-moi, mais depuis Katara, on avait perdu l'habitude de devoir faire des choses difficiles. T'inquiète pas pour Tara, elle a toute ma garde-robe à repasser. S'il vous plaît, on se concentre. Le com voudrait localiser l'épicentre de la secousse sur la côte de Nouvelle-Zélande. Là, c'est carrément bizarre. On dirait que les gardes-côtes du coin ne font pas leur travail. Quoi, tu dis ça? Parce que la côte néo-zélandaise, on devrait justement être en train de la survoler. C'est étrange. Oh, la côte, elle flotte en plein milieu de l'océan. Alors là, on rigole plus. Appelons tout de suite Jerry. Nous sommes en plein séminaire Karmazet. Mmh. Que la paix soit avec vous. Et voilà, faut qu'on se débrouille toute seule. Un morceau de câble. C'est mieux que rien, Clover. Je vais essayer d'en savoir plus grâce au com poudrier. Oh, fais pour le mieux. Moi, tout ce que je veux, c'est m'écrouler sur le canapé. Ça alors? Qui a déplacé le divan? Probablement la même personne qui a redécoré tout notre intérieur. Tara?
Salut Clover. Et salut à tes amis. Les amis de Clover ne vont pas tarder à devenir tes pires ennemis. Tu peux nous dire ce que tu as fait de nos meubles? Je n'ai absolument rien fait dans le salon. Par contre, j'ai remis de l'ordre dans ta penderie en classant tout par taille, par couleur et par saison. Une petite minute, c'est ma robe ça? Allons, un peu de sérieux, pourquoi je porterais ta robe alors que j'ai la même? J'ai acheté les mêmes tenues que toi, le même maquillage, les mêmes shampoings et... Bon, ben, on va s'arrêter là. Ah oui, t'as raison, il faut que je règle un dernier petit détail. Clover, tu crois pas que ton assistante devient trop envahissante? Moi, ça me met mal à l'aise. Oui, et ben moi, ce qui me met mal à l'aise, c'est cette nouvelle décoration. J'appelle tout de suite Jerry. Salut à vous, comment trouvez-vous votre nouvel aménagement intérieur? Yu Wang et moi avons ramené l'harmonie dans votre espace de vie. Jerry, vous êtes sûr que ça va? Je suis zen. En totale communion avec la Terre. En parlant de Terre, justement, ces secousses sismiques sont à prendre au sérieux. Désolé, mais je dois recharger mes flux cosmiques. Non, mais c'est le monde à l'envers. C'est dans sa tête qu'il y a un tremblement de Terre. Bon, voici les résultats d'analyse. Le câble serait composé d'un alliage d'acier à haute densité mélangé à de l'extrait de soja. Vous trouvez pas ça bizarre? Pas vraiment à côté de ça. Vous aimez ma nouvelle coupe? C'est ma coupe de cheveux, là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder l'océan. Prends un jour de congé. D'accord, alors à demain. Mais Clover, tu es notre modèle à toutes. J'ai demandé une assistante, pas un clone. C'est complètement fou. Préparez-vous à retourner dans le Pacifique Sud. On me signale qu'une énorme cargaison de cet étrange alliage a été livrée sur une île non répertoriée. Désolée, Sam, je ne vois aucune île à l'horizon. Gardez les yeux ouverts. D'après le radar, on s'en approche. On a trouvé ton île. En tout cas, le sol est stable ici. On se croirait presque en vacances tellement c'est calme et relaxant. C'est relaxant, mais on dirait que tout a l'air faux. Un peu comme le tropical café du centre commercial. J'adore vos kimonos si chic, stylés, la soie sauvage. Ça me donne envie de courir. Ils ont un peu trop forcé sur la lavande. T'aurais préféré une touche de muguet, peut-être? Bon, on parlera parfum une autre fois, filons. Moi, je demande que ça, mais je suis coincée. On s'enfonce. Ça doit être des sables mouvants. Sans blague. Merci pour l'info. Vous êtes dans le quartier général de l'opération Karmazen. Je vous souhaite la bienvenue. Écoutez, grand maître, détachez-nous, rendez-nous notre canapé et arrêtez de plaisanter. Répandre la paix dans le monde est au contraire très sérieux. Et vous trouvez ça pacifique de nous faire pendre la tête à l'envers? Vous deveniez trop curieuse. Sans vous, je vais sereinement mettre à exécution mon projet de relier par câble les 5 continents. En redonnant au monde son unité originelle, je mettrai un terme à la dérive des consciences. Alors c'est pour ça que vous êtes devenu le gourou de Jerry? En effet. Maintenant que je règne spirituellement sur le Whoop et que j'ai mis hors d'état de nuire ses meilleurs espionnes, plus rien ne pourra m'empêcher de réharmoniser la Terre. Mais vous risquez de détruire la planète en déplaçant les continents. Karmazen, 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 je vous propose de prendre un bain de thé relaxant et vous verrez que vous n'avez absolument rien à craindre de mon nouvel ordre naturel. Je trouve que dans la catégorie destructeur de planète, Yu Wang est plutôt prévenant. Ah oui, eh ben, thé relaxant ou pas, il a l'intention de nous ébouillanter. Je suis vraiment pas adepte des philosophies orientales. Mon karma commence à chauffer et je vais pas rester zen longtemps. Et les gadgets inutiles de Gladys ne vont pas nous aider à sortir de là. Autant se délester au maximum. Waouh! Ben Sam, pourquoi tu dis que les gadgets de Gladys sont inutiles? On est sauvés! Et la pause thé est terminée maintenant. Il faut qu'on arrête Yu Wang avant qu'il commence à tracter les 5 continents. Ah,
voyons comment se déroule mon grand programme humanitaire aux quatre coins de la planète. Qu'il est beau de voir les peuples se rapprocher les uns des autres. Comment peuvent-elles être encore vivantes? Qu'importe, après tout, elles préfèrent peut-être le grand large. On dirait que le vieux sage a plus d'un tour dans son sac. Mon niveau de conscience est si élevé qu'il agit comme un troisième œil. Ou comme une caméra, si vous préférez. Une fois raccordée à mes lentilles de contact, elle me permet de voir à 360 degrés. Ça, c'est ce que l'on appelle avoir une vision. 3 contre 1. On pourrait très bien le battre les yeux fermés. Mais je préfère les garder ouverts. Arriver celui-là. Je l'ai accueilli à bras ouverts dans les bureaux du Whoop et il m'a hypnotisé grâce à son troisième œil. Être naïf à ce point, c'est impardonnable. On est ravis de voir que vous avez retrouvé votre vrai karma. Excellent travail, mademoiselle. Sachez qu'en ce moment même, les agents du Whoop se chargent de ramener les 5 continents à leur place. Oh, c'est dommage, ça m'aurait plu d'aller à pied à Paris faire du shopping. Alors, Clover, c'est aujourd'hui que tu mets ton assistante à la porte? Non, je crois que j'ai plutôt envie de la jouer en douceur. J'aimerais bien lui faire comprendre que la clé du succès dans la vie, c'est d'être soi-même. Rassemblement droit devant, les copines. Qui peut bien attirer autant de monde? Et là, je lui ai dit, mais alors totalement. Et c'est pas ma faute si elle est plus à la hauteur. T'es vraiment la plus cool, Tara. Évidemment qu'elle est la plus cool. Elle m'a copiée. Vous allez voir, si ça continue, elle va même engager une assistante. Tant que je vous laisse, les copines. Je dois choisir une assistante et la liste est très longue. Attends une seconde. Si vraiment tu veux rester au top, je suis la seule candidate suffisamment cool pour être digne de devenir ton assistante. Quiconque veut parler à Tara devra d'abord s'adresser à moi, toutes en rang. Oh, Clover, personne ne t'arrive à la cheville. Dès comme toi, il n'y en a pas deux. C'est vrai, dans la catégorie copine la plus cool, t'as aucune concurrente. Oh, je vous adore. Et puis, de toute façon, avec Mandy comme assistante, à mon avis, le quart d'heure de gloire de Tara est déjà terminé.
problème. Non, je me suis brisé le dos. Bonsoir, Jerry. Pardon. Je suis surprise de te retrouver ici. Elle a détecté quelqu'un dans le jardin. Oh non, c'est pas du jeu, il est trop tôt, j'ai pas encore pris ma douche. J'aurai tout le temps de te pomponner plus tard. Pour le moment, le devoir nous appelle. Tiens, prends ça, le cambrioleur. Et ça, et aussi ça pendant qu'on y est. C'est peut-être pas la bonne méthode de frapper d'abord et de poser les questions seulement après. En fait, notre intrus nettoyait la piscine et à l'entendre crier comme ça, je dirais sans me tromper que la natation, eh bien, c'est pas son fort. J'ai mon brevet de secouriste. Il est carrément craquant. Me llamo Guillermo. Et en plus de ça, il est espagnol. Ce qui le rend forcément deux fois plus craquant, bien sûr. Je vous parie que ce donjon est un cadeau de mes parents. Ils sont en Espagne en ce moment. Hola, je m'appelle Alex et c'est Mio qui t'a sauvé la vida. Moi, c'est Clover, enchantada de vous rencontrer, monseigneur Guillermo. Laissez tomber, votre espagnol est mucho, mucho mauvais. Bueno, tengo que volver a trabajar. Attends, tu rigoles? C'est clair qu'il est trop redingue de moi. C'est à moi qu'il a parlé. Non, si c'est pas, tu perds ton temps. C'est moi qui l'ai sauvé quand même. Je peux t'assurer qu'il m'a lancé un regard qui ne trompe pas. Cette fois, c'est sûr, vous êtes toutes les deux complètement folles. Eh? Oh. Vous me pardonnerez de vous convoquer si tôt, mais j'ai une merveilleuse nouvelle à vous communiquer. Je vais bientôt me marier. Vous marier? Bon, d'accord, je connais que c'est un peu rapide, mais pourquoi attendre quand on sait que c'est pour la vie? Mon petit bouchon d'amour. Myrna de la Périne? Notre ex-nounou, c'est elle, votre petit bouchon d'amour? Je me suis levée du mauvais pied ou aujourd'hui la folie est contagieuse? Mademoiselle, si seulement vous saviez à quel point je suis ravie de vous revoir. Figurez-vous qu'un de mes pneus a éclaté alors que je roulais en plein désert. Et comme par enchantement, Myrna est apparue pour me sauver. Franchement, c'est pas l'idée que je me fais du coup de foudre. Mais bon, moi c'est moi et vous c'est vous. Alors, tout m'est de bonheur. Bravo, félicitations. Le mariage aura lieu dans quelques heures. J'ai besoin de votre aide, Alex. Vous vous occuperez des invitations, Clover, de la décoration et Sam, des fleurs. Gladys! À vous de jouer, mademoiselle. Jerry, c'est vraiment un honneur que vous nous faites. Vous ne serez pas déçus, je suis experte en décoration pour mariage express. Vous semblez manquer d'enthousiasme, Sam. Allez au travail, le retour, mon petit. Oh, mais enfin une seconde! Ne me dites pas que je suis la seule à trouver que ces événements s'enchaînent beaucoup, beaucoup trop vite! J'arrive pas à croire que vous n'ayez rien à redire toutes les deux. Ce sont des robes de demoiselles d'honneur. Elles sont moches et c'est fait exprès. Comme ça, ça met la mariée en valeur. Oublie les robes, je te parle du mariage. Mais enfin quoi, Jerry connaît à peine Myrna. Et au cas où vous l'auriez oublié, je vous signale que c'est la reine des casse-pieds. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oh, c'est trop beau. Et dire qu'on n'a jamais eu la présence d'esprit de rapprocher ces deux tourtereaux. Chers amis, chers collègues, chers espions, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux agents du groupe. On devrait mettre Jerry à l'ombre le plus vite possible, mais regardez-le, il rougit à vue d'œil. Dis donc, toi, tu serais pas un peu jalouse parce que Jerry rayonne de bonheur? Moi, je propose que vous vous taisiez, j'aimerais bien entendre quelque chose. Consentez-vous, Myrna de la Périne, à prendre pour époux Jerry James Lewis et à l'aimer pour la vie? Oui, je le veux.
À votre tour, consentez-vous, Jerry James Lewis, à prendre pour légitime épouse Myrna de la Périne et à la chérir tendrement? Elle me veut, je la veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à présent et très solennellement mari et femme. Embrassez la mariée. Chercher de la soie. Oh, très joli lancé, Sam. C'est pas gentil de nous faire des frayeurs pareilles. Mon biquet. Mon bouchon d'amour. Ah, je crois que je viens de comprendre l'expression « faire le grand saut ». Dépêche-toi, mon biquet. On nous attend pour commencer les festivités. Voyons voir. Ce serait seulement l'érosion qui a fait que cette falaise a cédé? Je suis prête à parier que ce truc n'est pas là par hasard. Viens, Sam, ils vont couper le gâteau. On y va, Jerry va inviter Myrna à valser et franchement, je raterai ça pour rien au monde. Cette soudaine histoire d'amour entre Jerry et Myrna ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Et je suis bien décidée à trouver ce que c'est. Ay, me duele ver una piscina en tan mal estado. Est-ce que t'as entendu ça? Il a dit que j'avais les yeux à tomber par terre. Oh, non, t'as tout faux. En fait, il a dit qu'il craquait pour mon sourire. Vous pourriez vous concentrer une seconde? Je sais que vous n'avez rien à redire à ce mariage et que vous pensez que je vois le mal partout. Mais Myrna n'a rien fait pour sauver Jerry quand il est tombé. En tant qu'ex-agent du Whoop, elle aurait dû réagir par instinct. Elle devait être paralysée sous le choc. Ça peut arriver quand un être qui vous est cher est en danger. Réfléchis un peu, si vraiment Myrna avait voulu se débarrasser de Jerry, pourquoi elle se serait mariée devant une assemblée d'agents secrets? Hein? Là, d'accord, tu marques un point. Mais n'empêche que tout ça ne me plaît pas. Tu n'as qu'à tout simplement en parler à Jerry. Mais oui, dis-lui sincèrement ce que tu as sur le cœur. Vous avez raison, je l'appelle immédiatement. Bonjour à vous, mademoiselle. Comment ça va, Myrna? Où est Jerry? Pourquoi c'est vous qui répondez? Mon biquet a pris une journée de congé pour se remettre pleinement de sa petite chute de falaise. Et c'est donc moi qui le remplace. Avec mes quelques 30 années d'expérience, vous conviendrez que je suis qualifiée pour cela. D'accord. Eh bien, dites-lui seulement que j'ai appelé. Oh. Myrna qui remplace Jerry, cette fois, c'en est trop. Je vais aller le voir en personne chez lui. Chez lui? Mais enfin, Sam, tu pourras quand même respecter sa vie privée. J'ai du voyage. Amusez-vous bien. Je ne bouge pas d'ici si vous avez besoin de moi. Je crois qu'à la réflexion, je vais plutôt rester moi aussi. On se retrouve plus tard, Sam. Wow, et moi qui croyais connaître Jerry par cœur. C'est quoi ça? Ah, j'en étais sûre. Cette histoire ne tourne vraiment pas rond. Ah, c'est pas possible, je me suis trompée d'adresse. Bonjour, l'amour. Jerry, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Myrna, quand tu n'es pas là, je compte les secondes. Mon cœur s'arrête de battre, le temps suspend son vol. Elle est ma... Oh, les cookies! Oh, j'ai mis au four les cookies en forme de cœur pour lui prouver mon amour. Non mais Jerry, est-ce que vous avez perdu la tête? La seule chose que j'ai perdue, c'est mon cœur. Il lui appartient. Et j'ai même écrit une chanson pour elle. Tu es mon bouchon d'amour, Myrna. Là, vous êtes sérieusement atteint, mon pauvre Jerry. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais votre comportement n'est vraiment pas normal. Non, je sais. Une fois qu'un homme a la bague au doigt, son existence change du tout au tout. Alors c'est ça, c'est l'alliance. C'est certainement elle qui vous contrôle. N'est-elle pas resplendissante? À l'image de ma douce et tendre Myrna. Ah, Jerry, regardez. Votre diamant, on dirait qu'il diffuse une substance dans les tissus de votre peau. Bah, les pattes! Petite fouineuse. Mon bouchon d'amour. Ça alors, où est passée la jeune et gentille mariée, Myrna? Il est l'heure de partir pour notre lune de miel aux chutes du Niagara. Sois gentil, mon biquet, va m'attendre dans la camionnette. Dans la camionnette? Tes désirs sont des ordres. J'ignore encore ce que vous manigancez, mais je ne vous laisserai pas manipuler ce pauvre Jerry plus longtemps.
Tu crois que le Whoop se serait trompé au point de me choisir comme nounou sans s'assurer que j'aurais le dessus sur toi et tes camarades? La lune de miel est terminée! Je vous conseille de vous rendre! Désolée de te décevoir, cher enfant. Attrape! C'est quoi cette panique de lancer des étoiles? Vous êtes une sorte de ninja ou quoi? Quelle pertinence pour ton âge. Mademoiselle en demande? Mademoiselle est servie. Au cours de mon apprentissage, j'ai également appris le secret de fabrication d'un antique filtre d'amour japonais. Et c'est ce que diffuse l'alliance de Jerry? Plutôt futé, non. Et c'est pourquoi je mérite amplement de diriger le Whoop. Cet incapable de Jerry a fait son temps. Et puis, comme tu l'as vu, cet idiot n'est plus en état de m'en empêcher. Eh bien, moi, je suis en état. Bon, pas dans la seconde qui suit, mais attendez que je me décroche du mur. Tu peux te débattre tant que tu veux, ça ne changera rien. Grâce à mon mariage d'amour avec Jerry, le Whoop sera bientôt à moi. Ah oui, rien qu'à moi, à moi, oui. Une autre concoction japonaise à base d'herbes dont j'ai le secret. Détends-toi. Au secours! Si seulement je pouvais me décrocher! Le dernier, ma chère Myrna. On m'a pas comme ça, moi. Il est l'heure à présent que je poursuive ma petite enquête. Ah, ces amours, toi. Combinaison amphibie à propulseur intégré. Génial le concept. Oh, pas mal. Oh, Jerry, à peine marié que vous ne vous donnez plus la peine de ranger vos affaires. Oh, ah, béret gonflable, la pointe de la technologie française. Pardon? Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que toi, Hidalgo, et moi, allez tous les deux au restaurante pour manger miam miam, paella, chorizo. Clover, Alex, on s'active. Myrna est une guerrière ninja qui essaye de se débarrasser de Jerry pour prendre la tête du Whoop. Vous vous rappelez de ça? Celle-ci était plantée dans un des pneus de Jerry et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la falaise. Ainsi qu'à celle que Myrna m'a lancée dessus. Ah ouais, je vois le genre. Désolada, Guillermo, on va être obligé de se séparer d'eau. Hasta luego. Et comment on dit, il faut qu'on aille sauver notre patron de sa ninja d'épouse en espagnol? Cette balade est tellement romantique, ma douce, et ça surpasse les gondoles de Venise. Je réserve quelques surprises absolument passionnantes, mon petit piquet. Oh, oh! Qu'est-ce que tu dis de celle-là? Oh, fou!
J'aurais dû prendre la peine de vous éliminer quand j'étais votre nounou. Votre petit jeu a déjà assez duré, Myrna. Libérez tout de suite Jerry de votre maléfique emprise. Mais avec joie. Vous deux, vous le récupérez. Moi, je me charge de Myrna. Mon petit bouchon d'amour. Jerry. Tu manques trop d'expérience. C'est peut-être vrai, mais par contre, je suis très motivée. Désolée, mais je vais me venger parce que vous m'avez fait porter une robe d'honneur infâme. Oh non, pas mon alliance. Je suis là. Est-ce que j'ai vraiment... Oh non, quand même, j'ai pas. Oh, pauvre de moi. Que je suis ninja. Moi, une jeune espionne très en colère. Avantage, ninja. Avantage, jeune espionne énervée qui déteste qu'on joue avec les sentiments des gens. Tu ne gagneras pas, petite impertinente. Mon bouchon d'amour. Oh, mon piquet. Viens m'aider, mon bébé en sucre. Oh, je vais t'aider pour ça, t'en fais pas. Oh non. En face. Oh. Je me trouve particulièrement attirante, vraiment irrésistible même. Oh, si séduisante et intelligente, drôle, spirituelle, tout ça, là là. Oh, l'horreur, elle est complètement tombée amoureuse d'elle-même, elle qui avait déjà les chevilles enflées. Oh, que je m'aime. Oh non. Comme tu t'es fort, Jerry, faut qu'on sache qui Guillermo préfère de nous deux une bonne fois pour toutes. On sait que votre espagnol est muy perfecto. Les filles, je ne suis franchement pas d'humeur à traduire des déclarations d'amour. Vous nous devez bien ça, Jerry. On vous a quand même sauvé d'un enfer conjugal. Où est passé Guillermo? Sam, tu peux nous dire où tu l'as caché? Mon petit Guillermo. Quel journée délicieuse! Vraiment, j'adore! Elle est gonflée! Cette pimbèche totale superficielle! On a passé des jours à apprendre l'espagnol pour lui déclarer notre flamme et au final, il préfère Mandy!
¿Qué os pasa, chicas? ¿No estáis contentas con vuestra piscina? Je rêve, il vient de lui dire qu'elle avait des yeux magnifiques. Ce type, c'est un ingrat. Oh, ne vous en faites pas, les filles. Les avances de Mandy ont à l'évidence laissé de glace votre Guillermo. Il me semble intéressé par les aspirateurs, les épuisettes et les filtres. Non, c'est vrai. Toutes ces longues phrases étaient pour parler de la piscine. Promis. La pauvre Mandy. Si seulement elle pouvait se rendre compte à quel point elle est ridicule. Ah ouais, tu m'étonnes, au secours. Faut pas être voyante pour deviner si un garçon craque pour vous quand même. Un peu de sérieux.